sorti en septembre 2009, Parallel World, qui est mon premier album que j'ai sorti en septette, justement avec ma formation actuelle. En fait, je m'étais lancé dans un travail d'écriture à la base, sans avoir des musiciens. J'avais simplement écrit la musique. Et avec des climats, en fait, j'étais allé pour la première fois à New York voir mon frère qui habite là-bas. Et j'avais capté des choses sur New York, des énergies, des climats, quelque chose que je ne trouvais pas en France. J'avais entendu plein de groupes, des big bands, des septettes, des octettes à New York. Et à ce moment-là, j'ai eu plein d'inspiration, j'ai écrit plein de morceaux. Et donc après, je les ai arrangés pour une grosse formation parce que j'avais pas envie de jouer en trio. Herbie Hancock est pour moi une référence musicale immense et je me suis beaucoup influencé de sa musique. Comme j'étais aussi très axé sur la musique classique, j'ai écouté beaucoup Maurice Ravel et tout, Chick Corea, ça n'a rien à voir, mais Geoffrey Keyser, j'adore, et toute l'école de piano américain de la nouvelle génération, la nouvelle vague, j'ai envie de dire, des années 2000, là. Taylor XT, Aaron Parks, Aaron Goldberg, David Kikoski aussi, qui est un peu plus vieux. Ouais, voilà, toute cette école un peu modern jazz, en même temps influencée par la musique classique et romantique, par Ravel, par Debussy. J'apprécie et que j'écoute, que j'aime beaucoup, c'est tous ceux qui ont forgé leur propre personnalité en puisant à droite à gauche. Donc c'est ça qui est marrant dans le jazz, c'est qu'il y a plein de gens qui proposent plein de choses différentes et selon ce qu'ils proposent, on change notre vision des choses à chaque fois. Notre point de vue il se transforme et on s'enrichit à chaque fois. J'écoute un improvisateur, moi ce que je recherche, c'est dans ce que j'écoute, ce qui va me toucher, c'est vraiment ce qu'il propose lui, avec son cœur, sa sensibilité, son. Voilà. Parle en fait de moments de vie. Vraiment, pour moi, c'est un point de vue. C'est mon point de vue à 23 ans sur le monde. Et donc, il y a plein de mondes différents, il y a plein de points de vue différents. À chacun sa vision, sa perception des choses. Et dans ce disque, je défends ma perception, mon regard sur une musique
voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. À mes 23 ans, je fais ça. Mais ça ne veut pas dire que plus tard, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avancer. Alors le piano, moi, je me considère pas vraiment comme un pianiste. C'est bizarre, mais enfin, j'ai commencé le piano super jeune et tout. Ça fait des années que je fais du piano, mais je me remets toujours en question et j'ai pas l'impression d'être à chaque fois d'être un pianiste. Je me sens plus musicien que pianiste. C'est-à-dire que le piano, c'est vraiment un outil pour composer, pour improviser, pour s'exprimer. Mais je pense que j'aurais pu le faire avec un autre instrument. Thank you.